salue la merveilleuse personne que tu es. Dans le nom de Jésus, dis-moi un bon amen. Amen. Content et heureux de nous retrouver encore en ce dimanche. Amen. Amen. Et toi qui es présent, tu as choisi la bonne part. Dis à ton voisin, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Cette famille qui doit être sauvée. Non pas moi, mais ce frère, cette sœur qui doit revenir à Jésus. Une parole monte dans mon cœur. À partir de cette saison, tu vas viser une personne. Une personne qui va être, en un mot, comme un fardeau de voir qu'elle revient à Jésus. Amen. Et quand cette personne revient à Jésus, après tu te donnes encore une autre personne. Quelqu'un me comprend? Donc chacun ici va être chez lui-même et puis va demander: Seigneur, quelle est la première personne? Quelle est la première personne à laquelle il faut que je fasse connaître Jésus qui m'a tant aimé? Quelle est cette personne vers laquelle je dois lui présenter l'œuvre que Jésus-Christ a été pour moi? Parce qu'en réalité, si nous croyons qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, quelqu'un doit le savoir. C'est-à-dire que toute ta concentration, c'est-à-dire dans le but de faire connaître cela à une personne. Et quand cette personne le connaît, tu dis maintenant c'est encore mieux à une autre personne. C'est qui la deuxième? C'est qui la troisième? Amen. Je crois que si nous chrétiens nous étions comme ça, beaucoup de personnes auraient connu Jésus-Christ. Et c'est la parole que Dieu me dit de nous dire. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. En cette nouvelle saison, est-ce Amen. Que Dieu peut compter sur toi? Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, toi qui es chrétien, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un que tu sais que peut-être il est encore faible dans sa foi, mais tu dois te dire, le même genre de foi où je suis arrivé, où maintenant je connais Jésus-Christ et que je suis attaché à son œuvre et à sa maison. La personne doit être comme ça. Amen. Et puis tu pries pour cette personne. Amen. Je te dis d'abord une personne pour ne pas que tu te dises que c'est beaucoup. Une personne. Quand tu as le temps de prier, Seigneur, touche son cœur. Jésus-Christ, révèle-toi à elle. Si c'était des pensées, que les pensées là s'abaissent et que la pensée de Jésus-Christ domine dans son cœur. Car en réalité, qu'est-ce que serait Pâques s'il n'y avait pas eu aussi le sang dans cette maison? Quelle aurait été cette Pâques si c'était la maison de Moïse seul qui avait connu le sang sur ses portes et sur ses linteaux? Moïse a reçu l'instruction, mais Moïse a communiqué l'instruction à tout un peuple. Ne savait pas que la mort devait frapper. Ne sachant pas que la mort allait passer. Et Moïse, par révélation, a dû dire, mettez le sang sur les portes, les poteaux et les linteaux. En d'autres termes, il faut que le sang de Jésus soit aussi sur toi avant que la mort éternelle ne frappe. Ça s'est mis à quoi la Pâque si plusieurs ne bénéficient pas de ce sang-là? Amen. Nous bénissons Dieu de ce que son sang est sur nos portes, est sur notre vie. Nous échappons à la mort éternelle. Mais et les autres? Tiens, comment ça? Et les autres? Et les autres qui doivent être sauvés? Et les
personnes qui doivent échapper à ce jugement éternel. À quoi ressemblerait la barque d'un chrétien si c'est celui seul qui jubile? Ça, c'est le message prophétique que Dieu entend dans ma bouche pour la Pâque. À quoi ressemblerait la Pâque si ce Jésus-Christ qui est mort ne peut pas être dispensé à plusieurs? Si ce Jésus-Christ ressuscité ne peut pas être communiqué à plusieurs? Je bénis Dieu que je fasse des choses comme ça parce que j'ai la théologie de la Pâque. Mais Dieu, à un moment, Dieu me connaît. Mais on se connaît. La lettre tue. Je peux t'exposer tout ce que Pâques avait dit ceci, Pâques avait dit cela, ça avait dit ceci en hébreu et en ancien. Ça, à l'école, je peux t'enseigner ça. Mais quelle est la pensée prophétique rattachée à la Pâque? C'est ça que je passais dans les prières. C'est quoi? Parce que les notes, là, j'ai les notes. Mais il y a quelque chose de la pensée prophétique. Le message que tu veux nous dire derrière la Pâque. Ça sert à quoi? Et il me dit de nous dire, ça sert à quoi que quelqu'un soit mort pour l'humanité et que ceux qui ont connu cette grâce-là ne peuvent pas dire aussi, il faut que je fasse mes efforts pour que aussi il y ait un sang sur cette maison, sur cette vie, sur cette famille. Jésus est mort pour tous. Il n'est pas mort pour une catégorie. On l'a vu avec notre message. Semaine dernière, Moïse a dû dire, retire mon nom dans le livre de vie. Si les autres là ne peuvent pas être sauvés. Amen. En réalité, quand on aime quelqu'un et qu'on a cru en un message, la manière de le dispenser détermine si on a cru réellement. Tu dois te dire, il y a un jugement qui va arriver sur les nations. Il y a un jugement qui va arriver dans le monde. Sur nos frères et sœurs qui n'ont pas fait la rencontre avec Jésus. Donc la Pâque, c'est pour nous dire, les gars, le jugement éternel est bel et bien là. Et il y a une solution, ne l'oubliez pas. Ce message nous rappelle ça. Et que ceux qui auront accepter que le sang de l'agneau coule dans leur vie, accepter le salvatrice de Jésus, eux vont échapper à ce danger. Les Égyptiens ne savaient pas qu'il y avait le destructeur qui allait arriver. Pharaon dormait avec son fils, ne sachant pas que dans la nuit, le destructeur allait se lever. Donc ce n'est pas quelque chose qui est physique. Ce n'est pas quelque chose qui est physique, c'est quelque chose de spirituel. Et d'ailleurs, nous ne partons pas tous au même moment. C'est-à-dire que la main du destructeur passe et continue de passer. Et elle ne touche pas ceux dont le sang a foulé le porche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Regardons le message des Marie. Elles n'ont pas gardé le message de la résurrection pour elles. La première instruction que Jésus a dit à Marie de Magdala, va les dire, va les informer qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il a vaincu la mort. Va redonner de l'espérance, va redonner de l'espoir, va relever ceux qui étaient abattus, va lui dire que le maître est là, va lui dire que le Seigneur est vivant et il est réel et ne change pas, va lui dire que la résurrection et la vie est là. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la Pâque. On bénit Dieu pour cette œuvre qu'il a faite. Mais la deuxième chose, c'est de dire qui pourra bénéficier de cette œuvre. Qui pourra se connecter à ce si grand salut. Et Jésus a dit, il a mis la parole de la réconciliation dans notre bouche. Et nous a donné
Je vous dis en réalité, si peut-être vous ne savez pas, je l'ai toujours dit, mais souvent, les gens oublient. Quand on est chrétien pour être envoyé. Chrétien pour être envoyé. Envoyé pour propager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dis à ton voisin, tu penses que ce message il est vrai ou c'est une fable? Quelqu'un pouvait dire, si je détiens le remède d'un médicament et que je vois des gens souffrir, ou quand des gens, je veux leur donner et puis ils disent, ah, j'ai pas vraiment besoin. Et puis il dit, bon, c'est pas grave, comme il dit, il n'en a pas vraiment besoin. Tu vois qu'il est en train de mourir et lui-même se rend pas compte. Quand tu sais que ce que tu détiens est l'ultime antidote au malaise, tu vas te donner les moyens. Bien aimé, l'un n'est plus question de dire non, la personne, je l'ai invitée, elle ne voulait pas. C'est pas lui qui ne veut pas venir, c'est l'esprit de l'ennemi qui veut le retenir. Si tu t'arrêtes à seulement la personne ou sa mentalité, tu ne vas pas donner Jésus aux gens. Et c'est là que tu pars en prière, tu vas voir. Cette mentalité-là va être renversée par Dieu. Ce système de pensée-là va être renversé par Dieu. Mais est-ce que Dieu peut trouver un sacrifice vivant qui va dire, Seigneur, renverse ces pensées? Parce que nous, nous ne mourons pas à la croix, mais nous payons un sacrifice étant vivant, le sacrifice de la prière. Dieu ne nous demande pas d'aller à la croix, mais nous demande de prolonger l'œuvre de la croix par la prière. C'est là que tu dis, Seigneur, cette soeur, ce frère, coûte que coûte, ça devient ton fardeau. Jésus doit entrer dans sa vie. Et que même un jour, tu peux dire ce jour-là, je jeûne pour son salut. Mais vous savez quoi, peu de chrétiens ont cette notion de l'œuvre de Dieu. Je vous dis que si vous commencez à faire ça, votre vie va être le quartier général de l'attention du ciel. C'est-à-dire que même le ciel peut dire, lui, là, donne-lui encore un peu plus d'années à vivre sur la terre. Il est trop stratégique pour le royaume de Dieu. On est tous sur la terre, mais tout le monde n'a pas la valeur stratégique. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à présenter la bague aux autres. C'est pas dans les discours, c'est dans l'esprit. C'est pas dans les débats de théologie, c'est dans l'esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Il faut que la conviction du Saint-Esprit soit dans son cœur. C'est pas mes débats. C'est pas mes débats. Il faut que son intelligence soit renouvelée. Il faut que le mur de pierre soit ôté. Parce que quand tu viens voir un Lazare qui est mort, on ne peut pas le ressusciter sans que le mur de pierre ne soit roulé. Et il a dit, allez-y rouler le mur de pierre. Ce n'est pas lui qui a roulé le mur de pierre. La grâce est disponible. Le salut est disponible. Mais il faut des hommes qui se lèvent pour rouler le mur de pierre. Pour que la voix de l'esprit retentisse dans le corps de celui qui est mort. Dans cette âme morte et qu'il revienne à la vie. Amen. Il dit, allez-y rouler la pierre. Lui, il a parlé quand la pierre était roulée. Souvent, c'est une pierre qui est devant certaines personnes. Une pierre dans le cœur, une pierre dans la pensée, une pierre dans la mentalité. Ne regarde pas la condition de quelqu'un qui te montre qu'il n'a pas envie de connaître Jésus. C'est parce que lui-même, il est déjà mort. S'il était vivant, il aurait pris conscience de ce message. Il est mort. C'est pour ça que ce qu'il peut te dire ne peut qu'être un message qui ne produit pas la vie. Ce qu'il peut te dire peut être un non. Ce qu'il peut te dire, c'est peut-être. Ce qu'il peut te dire, c'est que je vais essayer. Mais ne t'arrête pas à un non et à est-ce que je vais essayer. Ou peut-être demain, tu dois rouler la pierre. Et rouler la pierre vient au prix d'un effort. Sors cette mentalité. Renverse ces forteresses. Renverse ces faux raisonnements. Oh Dieu, tu en priais. Ça peut même pas te prendre forcément une heure. Mais ça peut être 15 minutes chaque jour. Où tu transpires.
esprit dans ton âme. Oh Dieu, sauve cette personne. Je ne sais ce qui empêche que la Pâque soit manifestée dans sa vie, que l'œuvre de Jésus soit manifestée dans sa vie. Mais ôte Seigneur, et tu es en train de pleurer les douleurs de l'enfantement. La Pâque est le message du salut. Et il n'y a pas de salut sans personne qui doit être sauvée. Aussi grande peut être la Pâque, elle ne sert à rien si les gens qui doivent en bénéficier n'en bénéficient pas. Aussi grand soit le sacrifice, si les gens qui doivent en bénéficier n'en bénéficient pas, ce sacrifice est un sacrifice fait en vain. La valeur d'un sacrifice salvateur, c'est lorsque ce sacrifice sauve les personnes pour lesquelles il est destiné. Est-ce que Dieu peut trouver un homme? En cette nouvelle saison, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il y va de ton engagement. Il y a des choses que Dieu ne vous dira pas le faire. Mais c'est votre foi et votre éducation spirituelle qui va vous donner de faire certaines choses. J'ai dit une vise une personne à qui tu dois transmettre la marque. Il faut que le salut entre dans sa maison. De gré ou de chrétien que nous sommes, ne nous arrêtons plus à. Ne regarde pas le visage de la personne. Ne regarde pas sa manière. Ne regarde pas ses revues. Tu lui dis toi et moi. Même si tu ne le dis pas en face, dans le secret, dis toi, tu es foutu, tu as Jésus. Parce que je vais là-bas, ça qu'a travaillé sur toi. Makatubarakatabaya. Ce qui t'empêche d'être convaincu par le Seigneur va être expiré. Que soit le diable, tu dois te dire, si moi-même tel que j'étais dur, Dieu m'a touché, toi tu es qui? Nous tous nous étions durs de cœur. Mais si Dieu a fait un si grand miracle, le plus grand miracle c'est de voir Dieu toucher le cœur d'une personne. Parce que Dieu est invisible, tu ne peux pas le montrer, voici sa photo. Le plus grand miracle, l'un des plus grands miracles, c'est de qu'une personne reconnaisse la Seigneurie de Jésus-Christ. La Pâque est un miracle. La Pâque, c'est le miracle. C'est le premier miracle de Jésus-Christ. Son premier miracle. Parce qu'il sauve, il permet à l'humanité de pouvoir entrer dans un si grand salut. Comment la mort d'une personne peut sauver plusieurs? Expliquez-moi ça. Il n'y a pas de logique mathématique. Ça ne peut que être spirituel. Comment une personne meurt et que son sang pardonne les péchés même de ceux qui ont péché de toute forme de péché. Son sang efface. C'est seulement ça. Dites-moi, il n'y a pas de logique. Ça paraît même injuste. Mais c'est ça la grâce de Dieu. La Pâque, c'est le miracle où Dieu enlève le poids du péché. Sans les efforts humains, où Dieu permet de justifier un peuple, sans les efforts humains, où Dieu permet de ressusciter ceux qui étaient morts, sans les efforts humains, où Dieu ramène à la vie ceux qui étaient morts, sans les efforts humains, où le Seigneur met à part un peuple, sans les efforts humains, où le Seigneur donne lui-même la solution, sans les œuvres humaines. Dis à ton voisin, est-ce que tu as trouvé ta personne? Je vous dis, ça fait partie de l'éducation spirituelle. Il y a des choses, si on ne te l'a pas dit, tu ne sauras pas qu'il faut faire. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Je dis une personne. Amen. Que tu vas désirer, lui dire, je veux. Et comme Jésus pouvait dire, il dit, je veux manger cette Pâque avec vous. En d'autres termes, je veux partager aussi ce salut avec toi. Je veux que tu bénéficies de ce salut.
Je veux que tu entres dans cette grâce. Je veux que tu connaisses l'agneau tel que je le connais. Je veux que tu connectes à l'agneau. Je veux que tu connectes à l'œuvre de Jésus-Christ. Comme j'ai connecté, c'est un désir. Amen. Qui a compris ce message prophétique? Maintenant, je fais un peu d'exégèse. Amen. On termine. Dans notre calendrier, c'est le jour où nous commémorons et nous célébrons, l'Église, les chrétiens célèbrent la Pâque. Dis avec moi la Pâque. Dis avec moi la Pâque. La Pâque est la, parmi les premières fêtes données par Dieu. Quelqu'un me comprend? Est parmi les premières fêtes données par Dieu. Et la Pâque, chaque fois que vous voyez Pâque arriver, sachez que clairement, que maintenant, spirituellement parlant, une saison a commencé. La Pâque est le début d'une saison spirituelle. On a le calendrier grégorien, mais la Pâque est le début d'une saison spirituelle pour Dieu. L'année peut avoir changé, le ciel ne change pas de saison. Le ciel change de saison quand Pâque arrive. Quelqu'un me comprend? Lisons Exode 12 rapidement. Là, je parle à des hommes spirituels. Amen. Tu ne sens pas que le temps a changé? Amen. C'est pour ça que ceux qui font attention, ils peuvent voir que tu peux faire la traversée du 31, mais tu te retrouves en janvier, tu as l'impression que rien n'a changé. Le calendrier a changé, mais ceux qui sont sensibles savent que l'atmosphère n'a pas changé. L'atmosphère est la même. C'est la même atmosphère des 31 décembre qui t'a suivi en 1er janvier. Amen. C'est juste sur le calendrier, ça s'est changé, mais l'atmosphère, je ne parle que de l'atmosphère spirituelle. Elle ne change pas quand on passe au 1er. Amen. Ça, c'est nous les hommes pour pouvoir nous agencer. L'atmosphère change quand on entre dans la saison pascale. Ça annonce la fin et le début d'une saison nouvelle. Donc, quand quelqu'un est spirituel, quelqu'un peut savoir se positionner, positionner sa voix. Je viens annoncer pour toi de nouveaux commencements. Amen. Un nouveau jour, un nouveau commencement. Une nouvelle marche, une nouvelle vigueur, une nouvelle force. J'annonce et je déclare un nouveau souffle pour aller de l'avant, une nouvelle capacité, une nouvelle grâce, une grâce renouvelée, une vie de prière renouvelée, une vision renouvelée, un élan renouvelé, une capacité renouvelée pour pouvoir aller encore de l'avant avec Dieu. Amen. Amen. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Je dis Exode chapitre 12. Je lis rapidement, on va gagner du temps. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le. Ce mois-ci sera pour vous le. Amen. Maintenant, quelqu'un peut comprendre quand je parle de saison spirituelle. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc c'est-à-dire qu'il se trouvait dans une année en cours. Dieu dit, et Dieu dit, le mois là, il sera pour vous le premier. Amen. Donc, quand je parle de saison spirituelle, quelqu'un me comprend, on n'a pas pris ça quelque part. C'est parce que Dieu même a ordonné que maintenant, ce mois sera pour vous le premier. Si Dieu a dû dire à Israël que ce mois pour vous sera le premier, c'est parce que dans le mois dans lequel ils étaient là, ce n'était pas le premier mois de l'année. Quelqu'un me comprend? Ça c'était une parenthèse. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Cet agneau sera sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un sevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. On l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons
ou on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez, vous le mangerez, vous aurez vos raisins, dis avec moi, mes raisins, vos souliers à vos pieds. Ça ne te rappelle pas un peu les armes qui sont dans Éphésiens? Amen. Vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis avec moi, c'est la Pâque de l'Éternel. Je lis encore à partir du verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je prie qu'au nom de Jésus, que Dieu renouvelle ses jugements contre tous les faux dieux de nos familles au nom de Jésus. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Que le sang de Jésus te serve de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie. Que rien ne t'atteigne à cause du sang. Amen. Écoutez bien, il dit, il n'y aura point de plaie. Qu'il n'y ait point de plaie dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Il dit, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. C'était la Pâque. Mais il continue. Verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus de levain, pardon, dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième, vous aurez une sainte convocation. Et on ne fera plus aucun travail ces jours-là. Vous pourrez préparer seulement la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. Tellement la fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que je vous aurais dit, je vous aurais fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Amen. Quand on lit ce long texte, c'est là où Dieu introduit la Pâque avec Moïse. En Israël, il y avait plusieurs fêtes. La première des fêtes était la fête du sabbat. C'est la fête du repos de Dieu, où qui dit que Dieu s'est reposé le septième jour, a travaillé pendant 6 jours, et Dieu s'est reposé le sixième jour. C'est la première fête de l'Éternel. Vous pouvez voir ça dans Lévitique 23. C'est la première fête que Dieu ordonne aux gens de le faire. Amen. Après la fête du sabbat, c'est-à-dire la fête où on donne gloire à Dieu un jour, où nous mettons un jour à part pour l'honorer, amen, où pendant les 6 jours nous pouvons vaquer à nos occupations, mais le 7e nous devons le consacrer à Dieu. Après avoir honoré cette fête, Dieu a institué une deuxième fête. Et la fête qui était instituée, c'était la fête de Pâques. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la plupart du temps, quand on est dans la fête de Pâques, les gens pensent que c'est seulement une seule fête. Dans la période pascale, c'est deux fêtes. La fête de Pâques et la fête des pains sans levain. Amen. Ceux qui me suivent peuvent écouter ma prédication 2021. Parce que je ne vais pas répéter certaines choses sur la Pâque. Mais dans la fête de Pâques, si vous lisez bien dans Lévitique, c'est marqué fête de Pâques et fête de pains sans levain. Et nous l'avons lu ici. La fête de Pâques, c'est la fête qui se faisait le 14e jour. Amen. Où on immole l'agneau les deux soirs. Et après cette fête-là, commençait une autre fête qui est appelée la fête des pains sans levain. Dites-le, pas de bruit. Amen. Quelqu'un me comprend? La fête de Pâques, c'était le 14e jour. Et la fête des pains sans levain prenait 7 jours. Quelqu'un me comprend? Et j'avais expliqué auparavant que la fête de Pâques met l'accent sur l'œuvre de la mort de Jésus. Et la fête des pains sans levain met l'accent sur la résurrection. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est vrai que souvent, de manière imagée, on met tout ça dedans. Mais là où l'agneau a été immolé, ça ne parle pas de sa résurrection, ça parle de sa mort. L'agneau a été immolé, n'est-ce pas? Est-ce qu'une immolation, c'est une résurrection? Donc, quand on parle de l'agneau a été immolé, on met l'accent sur sa mort. Son œuvre salvatrice. Et sa mort, nous le savons,
elle nous a permis d'être libérés du péché, libérés de la mort éternelle. Quelqu'un me comprend? Mais bizarrement, après la fête de Pâques, tu as demandé de faire la fête des pains sans levain. Manger du pain sans levure. En d'autres termes, un pain dont la levure est l'image du péché. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est fait péché pour que nous soyons nous justifiés. Donc s'il s'est fait péché, et finalement, et que ce agneau a été tué, il faudrait qu'à sa résurrection, il n'y ait pas de péché en lui. Et bizarrement, Dieu dit pain sans levure. Parce que la levure est une image du péché dans la Bible. Après avoir confessé les péchés sur l'agneau et l'avoir immolé, il faudrait que maintenant à sa résurrection, il soit sans tache ni ride. Quelqu'un me comprend? Il faudrait qu'à sa résurrection, il soit sans péché. Jésus, à sa mort, a porté le péché de l'humanité. Mais Jésus, à sa résurrection, n'est plus dans le péché. Quelqu'un me comprend? Et ces deux fêtes-là sont collées. Souvent, on peut les mélanger. Mais ici, je vous explique que c'est le 14e jour, la Pâque. Et les 7 jours qui suivent le 14e, donc c'était du 14 jusqu'au 21. Quelqu'un me comprend? Tu es avec moi du 14 jusqu'au 21. C'est ça, c'est ces deux faits collés. L'un met l'accent sur la mort et met l'accent sur la résurrection. Et j'aimerais toujours corriger quelque chose. Jésus n'est pas ressuscité à la Pâque. Jésus est mort à la Pâque. Amen. Dans notre théologie, on a toujours gardé la résurrection. C'est pas mauvais, mais si on doit t'emmener un peu plus dans les Écritures, quand il meurt, ça doit être à la Pâque. C'est à la Pâque qu'il meurt, le vendredi soir, la veille du sabbat, la veille de la fête de Pâque. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la Pâque met l'accent plutôt sur l'œuvre de la mort de Jésus. Et la fête des pains sans levain met l'accent sur sa résurrection. En d'autres termes, Jésus est ressuscité durant la période de la fête des pains sans levain. Mort est vendredi soir, dans l'après-midi. Amen. Le samedi, c'était le sabbat. Et c'est le dimanche matin que Marie s'est levée et qu'elle allait voir qu'il est ressuscité. Donc le samedi, là, qui était le sabbat, c'était la fête de Pâques. Mais le dimanche, c'était le début de la fête des pains sans levain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me... Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ou c'est trop vite? Ça va. Donc ce qu'on va garder à l'esprit, la Pâque en tant que fête qui est faite un jour, met l'accent sur l'œuvre de la mort de Jésus. Et la fête des pains sans levain met l'accent sur la résurrection. C'est tout ça que les Juifs appellent Pessa. C'est 8 jours. Ça commence, ils commencent depuis le 5 et se termine le 13. Tu fais 5, 13, ça fait 8 jours. Un jour pour la fête de Pâques et les 7 jours pour la fête des pains sans levain. C'est toute une semaine pour eux. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et je vais toucher un point. Une fois qu'on a compris ça, voici autre chose que je voudrais ajouter pour terminer. On a vu que Dieu a dû donner à Moïse de mettre le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Tu me comprends? Les poteaux, c'est la partie verticale. Les linteaux, c'est la partie horizontale. Et bizarrement, ça, c'est l'image même de la croix. Dans la croix, il y a toujours une partie verticale, il y a toujours une partie horizontale. On aurait pu s'arrêter qu'ils mangent l'agneau dans leur maison. Mais il a exigé qu'ils mettent le sang pour que ça serve de signe. Et ce dont je vais toucher, c'est la puissance du sang. Dis avec moi, la puissance du sang. Dis avec moi, la puissance du sang. Mais l'accent sur lequel je vais mettre, j'ai beaucoup de points sur le sang, mais je n'aurai pas le temps de détailler aujourd'hui. Ce sera à l'école de Christ, on pourra voir ça de long en large. Mais une des choses que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est la puissance du sang qui protège de la mort. Parce que le destructeur devait passer. Mais je demande, le destructeur, il est aveugle ou il ne voit pas bien? Et il a besoin d'un sang pour ne pas entrer dans la maison. Mais c'est quoi ce lien-là? Quel est cet esprit qui n'entre pas quand il voit un sang? Quel est cet esprit qui va mener la mort et qui
n'entrent pas juste parce qu'ils voient un sang. Parce que lui, c'est quelqu'un qui réclame le sang. Donc quand il voit déjà un sang, il dit je ne peux plus réclamer parce qu'un sang a déjà été coulé en ce lieu. Quelqu'un me comprend? C'est le sang qui combat le sang. Au fait, je vous dis, la Bible dit que l'âme de la chair, c'est le sang. Dans le monde spirituel ne comprend pas les sacrifices qui n'ont pas une portée d'âme humaine. Le plus grand sacrifice dans le monde spirituel, c'est un sacrifice qui a une portée d'une âme. C'est pour ça que même Jésus-Christ pour nous sauver là, il n'est pas resté au ciel et il a dit, Abagadabra, c'est bon, vous êtes sauvés. Le ciel a reconnu son sacrifice dans la balance quand son sang a été versé. Donc vous imaginez, Dieu a dû faire un meurtre, une offrande, un être divin mourir pour notre salut. Donc ça veut dire que le ciel, là, le monde spirituel ne blague pas. Le monde spirituel ne comprend pas sacrifice où il n'y a pas la douleur de l'âme humaine dedans. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc cet esprit qui venait réclamer la mort des premiers-nés, bizarrement quand il regarde la maison des Égyptiens, parce que c'est ce que ça veut dire, Pâques, il passe par-dessus. J'annonce pour toi que la mort va passer par-dessus. Mais parce que tu vas commencer à comprendre l'importance du sang. Quand on en sait pas des choses de Dieu, tu peux t'entendre prier. Seigneur, protège-moi. Protège ma maison. Protège ma famille. Protège mes enfants. Protège mon chien. Tiens, c'est une bonne prière. C'est une bonne prière. Mais quand tu commences à être à l'université de Dieu, tu vas savoir quel est l'élément de Dieu qui protège. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas dit que la première prière est mauvaise. C'est une prière trop générale. Mais quand tu commences à être enseigné dans les vertus spirituelles, tu vas savoir que la seule chose qui protège, c'est le sang de Jésus. Rien d'autre. Donc quand tu veux protéger ta maison, c'est le temps d'invoquer le sang de Jésus dans cette maison. Quand tu veux protéger tes enfants, c'est le temps de plaider le sang de Jésus. Le ciel ne reconnaît que la valeur du sang. Amen. Bizarrement, pourquoi l'agneau, ils l'ont mangé, mais c'est le sang qu'ils ont mis sur les portes. Pourquoi ils n'ont pas mis l'agneau sur la porte? Parce que ce qui parle au monde spirituel, c'est le sang. Le sang est le langage que le monde spirituel comprend. En fait, c'est un langage. Il faut parler le langage des choses spirituelles. Quand tu es encore trop généraliste dans les choses de Dieu, tu peux mélanger tato, tato. Le ciel peut te pardonner certaines incompréhensions. Mais quand tu commences à devenir spirituel, quand il s'agit de la protection, tu dis quel est l'attribut de Dieu qui engage sa protection? C'est le sang. Amen. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être fatigué. Fatigué, si tu veux casser de ta tête jusqu'au pied. Il y a des prières au moins qu'il faut faire avant de dormir. Prière de protection divine. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ce jour-là, même avant de fermer les yeux, ou avant même de prendre la route, on ne t'a pas demandé. Il y a certaines choses où on ne te demande pas de faire de longues prières. Mais il faut connaître les attributs que Dieu a engagés dans certaines choses. Tu dois prendre la route. Tu dis, engage la protection du sang de Jésus. Le ciel a compris, toi tu as compris, les démons ont compris. Tout le monde a compris ton message. Ce n'est pas un jeu, le sang. Ce n'est même pas un jeu que le diable voulait tuer Moïse. C'est Séphora qui a dû trouver le garçon là à circoncis. Et puis elle a dit, la mort n'entrera pas dans cette maison. C'est un époux de sang. D'ailleurs, même quand Abraham a dû faire l'alliance avec le Seigneur, ça a dû être une alliance de circoncision. Le sang a dû couler. Il n'y a pas d'alliance forte sans le sang. Donc, les chrétiens connaissent le sang qui purifie. Les chrétiens connaissent le sang qui protège, le sang qui purifie, pardonne les péchés. Mais le sang a d'autres attributs. Le sang a un attribut de protection. Quelqu'un me comprend? Le sang de Jésus ne purifie pas seulement. Donc tout dépend dans le sens dans lequel tu engages la prière. Si c'est pour te laver, tu peux dire que le sang de Jésus te lave. Tu peux dire que le sang de Jésus te purifie. Mais quand il s'agit de la protection, il faut savoir aussi que le sang a cette option en lui.
des prières qui sont importantes à faire en tant que chrétien. C'est ce que j'appelle des prières de protection. Amen. Quand il s'agit de plaider le sang de Jésus, il n'y a pas fallu dire non. C'est dans mon esprit. Le sang là, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis sur les portes et sur les linteaux. Faut parler. Le monde spirituel comprend quand tu parles. Amen. Je marque ma vie par le sang de Jésus. Amen. Je marque mes enfants. Je marque tes enfants. Je marque tes finances. Je marque ta maison. Je marque ton foyer. Je marque tes affaires. Je marque tes entreprises par le sang de Jésus. Amen. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Un monde où souvent il y a le diable qui joue dans le but de vouloir passer par des maisons et de vouloir semer le chaos. Je prie au nom de Jésus que la mort prématurée ne soit pas ton cas. Amen. Il y a une chose que je me méfie, qu'il ne faut pas jouer, chrétien. Ne jouons pas avec l'esprit de la mort. On peut jouer avec un esprit qui est en train de t'attaquer dans tes rêves, de vouloir coucher avec toi. Tu peux être en train de négliger. Un esprit peut vouloir venir te donner je ne sais quoi, vouloir te rendre malade, vouloir peut-être bloquer tes domaines, vouloir t'attaquer. Mais quand il s'agit d'un esprit qui est rattaché à la mort, tu peux vite quitter sur la terre si tu t'amuses. Quelqu'un me comprend? Amen. Et tu peux être chrétien et vite quitter la terre. Ciao, ciao, bye bye, c'est fini. Quand quelqu'un meurt, on ne peut plus rien faire. Quand tu es vivant là, on peut prier pour ton mariage. Quand tu es mort, on peut prier pour ton mariage, comment? Quand tu es vivant, on peut prier pour tes affaires. Mais quand tu es mort là, dis-moi, on va faire quelle prière pour tes affaires? Tu ne peux plus venir donner de sujet de prière. Non. Tu ne peux que faire certaines choses encore quand tu es vivant. Donc c'est une chose à ne pas négliger là. C'est le pouvoir de la mort. Et Satan travaille dans le but souvent d'enlever plus vite des gens qui ont des destinées à accomplir sur la terre. Je prie que ça ne soit pas ton cas, ni le cas de ma maison, ni le cas de ma famille, ni le cas de tes frères et tes soeurs. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis pas en train de m'amuser. Si tu n'as pas connu des morts prématurés dans ta famille, tu ne peux pas comprendre de quoi je parle. Tu peux pas comprendre. On ne joue pas avec l'esprit de la mort. C'est le seul esprit dont son but c'est de te supprimer. Ton mariage, il s'en fout. C'est toi-même, dégage. Ton travail, ton argent, il s'en fout. C'est toi-même qui te la tête. Vous me comprenez? Amen. Un esprit, son but, c'est d'éradiquer tout ce que tu es. De faire ce que tu as destiné sur la terre. Finalement, on dit ciao, ciao. Je refuse l'œuvre de la mort contre ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais, je ne dis pas ça pour te faire peur. Nous avons reçu une arme. Le sang parle plus fort que le sang d'Abel. Il parle plus fort que le sang d'Abel. Imagine le sang d'Abel a crié vengeance pour Caïn. Dieu a mis un signe sur Caïn à cause du sang d'Abel. Imagine à plus forte raison le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel. C'est-à-dire quand il est invoqué dans un lieu, celui qui essaye, il va voir. Amen, amen. Yes, yes, yes. Un seul être humain, Abel, on le tue, son sang crie vengeance 7 fois. Le sang parle, c'est la Bible qui le dit. Abel était mort, mais son sang a parlé. Il est temps de faire parler le sang de Jésus dans ta maison. Il est temps de faire parler le sang de Jésus dans ta voiture. Il est temps de faire parler le sang de Jésus partout où tu passes. C'est le temps de donner à la voix du sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle des prières de protection. C'est des prières de barricade. Parce que nous sommes en guerre. Et ne te lève pas. Et n'entre pas dans le champ de bataille sans avoir la conscience des armes que Dieu nous a données. La Pâque, là, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la mort. Passe par-dessus moi. Tu ne me pousses pas. Ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas ma saison. Ce n'est pas encore fini ce que je dois accomplir. Ce n'est pas réaliser mes entreprises.
ce n'est pas encore réalisé le plan de Dieu. Amen. Je ne m'amuse pas. Il y a même des hommes de Dieu. Ils sont allés même plus vite même que le temps. C'est pour ça que je suis en train de dire, je ne me plaque pas avec ce genre de prière. Dis avec moi, les prières de protection divine. Tu connais la prière en langue. Tu connais les chants. Est-ce que tu connais les prières de protection divine? Et maintenant, je t'enseigne. Quand il s'agit de prières de protection divine, je te dis quelle est l'attribut de Dieu qui protège fortement. C'est pas seulement Seigneur, protège-moi. Je te dis que ça, c'est pour la maternelle. Excuse-moi. Monte un peu dans la compréhension des attributs de Dieu. Engage le sang. Engage le sang par la foi. Engage le sang dans ta vie par la foi. Non, chrétien, je suis pas là pour dire que souvent ne vivons pas comme si nous sommes fous. Ne vivons pas en croyant que parce que Jésus est mort à la croix, ça nous empêche de pouvoir prier. Amen. Vous savez que prier, c'est avoir peur. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut prier pour manifester sa foi comme quelqu'un peut prier pour juste parce qu'il a peur. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Nous savons dans quoi nous mettons les pieds. Et nous savons que nous sommes la cible des ténèbres. Amen. Un chrétien est plus ciblé par l'ennemi qu'un païen. Donc quand je suis la terre, ne crois pas que la terre c'est un jeu. C'est un jeu. Pourquoi l'ange de l'éternel ne s'est pas couvert? Pourquoi Moïse n'a pas fait une action prophétique et puis il va être couvert? Quand il s'agit de la mort, c'est le sang seul qui enlève la mort. Le sang seul, rien d'autre. Quelqu'un me comprend? Pourquoi Moïse n'a pas intercédé pour eux? Quand il s'agit de la mort, faut dire à ton voisin, faut te mettre sous un sang. Faut te mettre là où la mort est déjà passée. Amen. Et puis, ça va être dans la balance. Celui qui réclame le sang innocent et celui qui est déjà mort, Jésus-Christ, dans ma famille, on va voir qui a plus de poids. En d'autres termes, personne n'est immunisé sans sacrifice de sang. Oui. Le mot spirituel, c'est le langage du sang. Le diable réclame du sang. Même Jésus t'a attaché avec son sang. Quelqu'un me comprend? Même Jésus, là, il ne nous a pas attaché seulement à sa bouche. Il nous a attaché à son sang. Il nous a mis dans son sang. Vous dites ici, là, celui qui a essayé, moi-même, je suis déjà mort pour vous. Moi-même, la libation de Dieu pour vous. Moi-même, l'immolation de Dieu pour vous. Moi-même, l'holocauste de Dieu pour vous. Et moi-même, là, je suis le Fils unique de Dieu. Je suis un agneau d'une grande valeur. Ce sacrifice est un sacrifice qui coûte cher. Amen. C'est pour ça qu'eux tous ne peuvent pas rivaliser contre ça. Ça coûte cher. Dieu a dû dire mon Fils unique pour dire que ça coûte cher ce qu'il vient de faire. C'est un sacrifice cher. Quelqu'un va te dire qu'il a sacrifié un poulet contre toi. Tu lui dis, ah, plaisantin. Moi, c'est un sacrifice qui coûte cher. Fils unique de Dieu. Fais ton sacrifice de poulet et puis moi, je plaide le soir le sang de Jésus. Il me rappelle un message. Il me rappelle un témoignage d'une soeur. Elle avait un monsieur qui était bizarre dans son quartier. C'était quelqu'un qui touchait au maraboutage, au manchin. Et il est venu même dans ses rêves pour l'attaquer. Il était dans le quartier. Elle lui a dit, si tu n'arrêtes pas ces choses, tu vas mourir. Il riait, il se moquait d'elle. Tu n'arrêtes pas ces choses, tu vas mourir. Et un jour, pendant qu'elle priait, elle a vu le monsieur apparu dans la maison. Elle s'est mise à prier. Elle est chrétienne, une femme. Elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier. Le monsieur a disparu dans la même semaine en que le monsieur est mort. Elle n'a pas prié contre lui. Elle a commencé à pleurer le sang de Jésus. Elle a commencé à pleurer le sang de Jésus. C'est lui qui est venu l'agresser. La même semaine, le monsieur est mort. Grand marabout féticheur. Elle n'était même pas pasteur. Les gens jouent avec la puissance du sang de Jésus. Tiens-toi debout. Acclame Dieu pour sa parole. Amen. Mais ce que je voulais que tu retiennes, c'est que je voulais que tu retiennes la puissance du sang qui protège contre la mort. Amen. La puissance du sang qui protège contre la mort. Donc il s'agit de faire des prières de protection. Hein. Ne prie pas seulement en général. Prie avec aussi précision de compréhension des attributs de Dieu. Amen. Je protège cette maison. Tiens la main et lève la main. Je vais prier pour la protection divine. C'est des prières que souvent on peut négliger, mais ce ne sont pas des prières à négliger. Quelqu'un peut être dans un combat, peut-être je peux ne pas combattre, mais tu peux réclamer la protection du sang de Jésus contre lui. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout va vouloir se passer, mais ça ne va pas toucher à sa vie. Vous me comprenez? Amen.
Souvent le diable peut toucher à des domaines de ta vie, mais ta vie là, elle n'en vaut la peine, elle ne doit pas partir. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Lève la main que je vais appeler la protection divine. Seigneur, je prie pour tes enfants. De la même manière que l'agneau, le sang de l'agneau était marqué sur les portes et sur les linteaux, je prie, pendant que je prie, tu vas dire amen. Je décrète et je déclare que le sang de Jésus marque leur vie au nom suprême de Jésus. Amen. Je protège leur esprit par le sang de Jésus. Amen. Je protège leur âme par le sang de Jésus. Amen. Je protège leur corps par le sang de Jésus. Amen. Je protège leurs finances par le sang de Jésus. Amen. Je protège leurs rêves par le sang de Jésus. Amen. Je protège leurs possessions par le sang de Jésus. Amen. Je protège leurs véhicules par le sang de Jésus. Amen. Je protège tous leurs déplacements par le sang de Jésus. Amen. En cette nouvelle saison, j'applique le sang de Jésus dans les maisons. Amen. J'applique la protection du sang de Jésus. Amen. Je loin les œuvres de la mort. Amen. Je loin les œuvres de la mort. Amen. Je loin les plans de la mort. Amen. Je loin les plans de la mort. Amen. Que le sang de Jésus nous préserve. Amen. Que le sang de Jésus préserve son Église. Amen. Que le sang de Jésus préserve nos enfants. Amen. Que le sang de Jésus préserve tout ce qui nous appartient. Amen. J'appelle la préservation par le sang. Amen. La préservation par le sang. Amen. La mort passe par dessus. Amen. Les problèmes passent par dessus. Amen. Les imprévus passent par dessus. Amen. Les mauvaises nouvelles passent par dessus. Amen. Les attaques passent par dessus. Amen. Les paroles de malédiction passent par dessus. Amen. À cause du sang de Jésus. Amen. Plaide le sang de Jésus, une minute. Plaide le sang de Jésus. Pour la protection de ta vie, de ta famille. C'est le nom de tes frères, de tes soeurs, de ta mère, de ton père. C'est aussi la compréhension que je veux te dire de la Pâque. Dieu a protégé son peuple. Dieu a protégé son peuple. Un peuple qui est mort ne peut pas le servir. Un peuple protégé pourra le servir. La préservation par le sang. La préservation par le sang. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu n'as pas souvent prié pour la préservation. Voilà pourquoi l'ennemi a eu le dessus. La préservation par le sang. La préservation par le sang. Je nous barricade dans le sang de Jésus. Je nous barricade dans cette nouvelle saison. Dans le sang de Jésus. Je nous barricade dans cette nouvelle saison. Dans le sang de Jésus. Je nous barricade dans cette nouvelle saison. Dans ce mois. Tous les mois qui restent. Jusqu'à la fin de 2023. Je nous barricade dans le sang de Jésus. Je nous barricade dans le sang de Jésus. Je nous protège par le sang de Jésus. Sur les portes de notre esprit. Sur les portes de nos âmes. Quels que soient les plans de l'ennemi passent par-dessus. Quelles que soient les attaques passent par-dessus. Quelles que soient les stratégies du diable passent par-dessus. Quelles que soient les flèches passent par-dessus. Nous sommes préservés, nous sommes immunisés par le sang de Jésus. Nous sommes préservés, immunisés par le sang de Jésus. Nous sommes immunisés, ta famille est immunisée.